Mes doigts puis ma maladie de Renault. Tes yeux. Pourquoi c'est la tempête à chaque fois qu'on fait un vlog? Comme il faisait tout beau hier là. C'est fini l'hiver. On est quoi aujourd'hui? Écoute, on a fait notre rendez-vous pour 14 faire 000. Changer nos pneus aujourd'hui. Parce que dans le fond, on partait à Philadelphie comme lundi au pire aller. En tout cas, allô, bon vlog! Non, ça c'est On est en route vers la cabane à sucre. Puis malheureusement, moi je suis monté en me disant pas qu'il y avait une tempête. Fait que j'ai pas de manteau, pas de bottes. On est jamais organisé. Non, non, non. Puis l'histoire, c'est que on est allé mardi à la cabane à sucre. Il faisait beau, il faisait chaud. Ouais, puis vous allez voir un petit extrait juste là. On s'est dit, je pense pas qu'il faut de réservation, les deux. Non. Repas du mercredi au dimanche. Mm-hmm, on est mardi. Merde. C'est fort, hein? Ça, je vais mettre l'extrait de ce qu'on est. Bref, fait que là, aujourd'hui, c'est cabane à sucre part 2. Hey, non, mais c'est vraiment bizarre. Non, vous allez voir ça, là. Je tripperai pas. Chez Constantin! Bienvenue chez Constantin. Y'a pas comme... un chat. Pas besoin de réservation aujourd'hui, du coup. Juste hier, on était en short, ça. Puis là. Ouais, comment t'aimes ma conduite? T'avais peur à quelques moments. Parce qu'on doit avouer, c'est la tempête, hein? Donc des fois, je faisais des petits changements de voix. Non, ouais, des changements de voix slash roule au milieu des deux voix. La neige chez Ling. Service à la clientèle, 12 hey, sur 10. Vraiment, elle était trop fine, pour vrai, madame. Quelqu'un qui aime sa job, c'est tellement oui. Invitant et c'est le fun. Là. Je veux dire, ça nous donne vraiment le goût comme, de passer la journée ici. Elle nous expliquait tout. Là, comme là, on s'en va voir ça, là, la bouffe. Oh mon Dieu, on va tellement manger comme des... Non, on va essayer de pas trop manger. Puis on a pris un petit smoothie puis venir matin pour avoir des protéines. Là, mais ouh. Ok, fait que là on s'en va à la petite fermette, pis aussi comme des poupées épeurantes, les gens de bon ça. Les poupées épeurantes. Elle dit, ils ont des vraies dates de bébé pis tout. En tout cas, on se rejoint là-bas parce que c'est en dedans, pis je sais pas s'ils vendent trop. T'as-tu dit yeah? Pourquoi j'ai. Wow. That's a lot of animaux. A lot of animaux? Yeah. Oh, ça sort la ferme. En fait, pour le voir aussi, je pense que... bonjour! Y'a eu vous autres? Est-ce que c'est ça les sucres coins? Oui, les plus petits là? Oui. Ouais. C'est eux qui font ça? Ouais, c'est eux. You, hein? Oh my god! Y'en a un qui crie là! Il veut de l'attention! Allô, perroquet! Je le veux. Est-ce que je peux l'avoir? Mais comme tous les animaux qui sont miniatures, c'est sûr que n'importe quelle fille le trouve cute là. C'est un classique là. Il est cute! Mais là. Oh, arrête là! Tu es une petite patte! Même toi, c'est trop cute là. Je veux juste les filles là. Ça chill là, au chaud. Quoi? C'est une poule. Elle est cool quand même. C'est un enclos? Ouais, ben non, la jaune. C'est pas une poule. Mais c'est. Il y a plus d'animaux qu'au zoo, là. C'est work, là? Hey, 3$, ça fait comme... Puis je suis sûr qu'ils sont bien, quand même. Il a l'air gentil, là. Il s'en occupe. C'est vrai que le monsieur a l'air bien s'en occuper. Mais techniquement, ça fait 3 sous, l'animal. Oh, le pain, il est froid. Oh, wow! Check, le pain! Oh my god! Hey, j'avais jamais vu ça, hein. Son bec il est tout mou. Il est pas peur de nous. Ah, ben oui, parce que c'est une mécanisme de défense, je pense. Ouais. Ah, pour nous faire peur. Moi, ça me fait pas peur. C'est vraiment cute des hamsters, mais j'ai jamais compris les gens qui avaient ça chez eux. J'avais mes amis qui en avaient un, puis chaque fois j'allais chez eux, je trouvais que ça pue un peu. J'ai comme, check, c'est mon petit hamster. Mais ça, c'est des hamsters. Un cochon d'Inde. Je me rappelle, j'avais une amie au secondaire qui en avait un cochon d'Inde. Yo, c'est exactement ce que je viens de raconter. Genre, on avait tout un ami, puis on était comme, c'était un peu bizarre, puis ça pue, mais comme, les autres, ils aimaient full ça. Ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve. What is it? Ça a l'air le king of the jungle. C'est littéralement un Pokémon mystique, lui. Les Elliot. Les canards mandarins. Ah, ok. Les Elliot. Ah, oh, ben, je sais pas. C'est quoi les canards mandarins? Moi, je pense que c'est des canards mandarins. Oh, y'en a un. Peut-être que les autres, leur matin, c'est là qu'ils dorment. Tough morning. Ils font la grosse matinée. Ouais, comme toi un peu. Comme moi.
on se trouve chacun un animal qui nous représente le plus. On va faire le tour. À la fin, on trouve lequel que genre je me suis associé à toi. Okay. Okay. Comment? Un bébé mouton qui est né hier. Comme je suis un mouton miniature, le bébé est trop bien gros. Oh, il est né hier! Je le veux! Yo, ça c'est le perroquet dans Rio. Ah, lui c'est Plume. Plume? Viens allô, mon bébé. Viens allô, mon bébé. Allô, mon bébé. Wow. Oh, il s'est levé le bec. 43 ans. Ah ouais, ça vit vieux? Ouais, ça vit 80. Elle, c'est Pepper. Pepper. Allô, Pepper. Lui, est-ce que... Est-ce que c'est agressif? Non. Non, il est un peu trop nonchalant pour te ressembler. Ah ouais. Ouais. Je trouve que ça, ça te ressemble plus. Non. Oui. Moi qui mange mon pain. C'est vrai que l'animal est plus intelligent de la ferme. Oh, c'est ça, hein? Oh, je sais pas ce qu'il veut dire. Ça, ça crache, hein? Elle a une longue langue. Comment il s'appelle? Elle a pas de nom. Ah non, encore? C'est qu'elle est vendue, mais elle a pas de nom. Je la veux. C'est un petit lapin de pâte. Oui. Mais ça saute pas, ça? Oh, il va prendre le comptoir. Ah ouais? Ça fait quand même peur. Il a trouvé Charlie. Trouvé Charlie. 1950. Oh my god. Comme ça fait peur, là. Ouais. Comme... Check elle dans le fond. La grande, là, oh, reliable. Ouais. Ma grand-mère, quand j'étais, genre la mère de ma mère, quand j'étais petite, elle collectionnait des poupées. Puis elle m'en donnait à ma fête. Mais elle m'a donné, genre, 3 ans de suite, la même poupée, mais des poupées de collection. T'es tu encore? Mais tu sais, c'est le genre de grand-mère, tu sais, qu'on n'est pas très proche, là. Ouais, ouais. Une fois par année, puis elle me donnait ça, puis j'étais comme, merci. Puis ma mère était comme, c'est quoi ça? Puis elle m'a donné 3 ans de suite la même poupée. Mais c'est des poupées de même, là, de collection, là. Ils sont où, là? Je sais pas, je les ai laissées à mon garde-robe chez ma mère, fait qu'elle a suivi, là. Ils font tout un peu peur, là. Mais on dirait qu'ils sont tous réels, un peu. Ouais. Je pense que c'est ça, le principe. Ah ouais? C'est vrai. Ouais, elle a un lâche-lip au pire, là. C'est toi? C'est moi. Ah ouais, elle a les yeux blancs. Elle est fatiguée. Non, elle est plus que fatiguée. Elle s'est fait arracher les yeux. Peut-être... Non, mais c'est une poupée aveugle. Promener dans la forêt? Mmh, on va manger des œufs. Oui. J'ai toujours été là. Ben, c'est des cabanes que, mettons, moi j'allais souvent pour la fête à mon ami ou des affaires comme ça, puis il y avait juste plein de plats, genre plou? Un à l'assiette de l'autre, puis on pique. Allô, allô! Bonjour, bonjour! Ça va bien? Allez, vous-même? Super! Parce que là, on va pas observer aujourd'hui. On m'en vient du bon café. Perfect. Oh, que ça va être lourd et gras. Mais je suis quand même down. T'as vu? Gotcha! Moi, je vais prendre du café. Tu vas-tu en prendre? Premier service. Alors, t'as l'option d'avoir du pain non croûté. Je dirais que c'est du pain Villaggio. Tu sais, la marque Villa. Tu peux montrer. Et il y en a du croûté. Donc moi, j'ai pris du croûté avec du croton. Croûté, croton. Et là, on a aussi l'option de petites sauces ici. Ça, t'aimes ça, hein? Petite sauce comme ça, sirop d'érable. Sirop d'érable, c'est sûr que je l'ai fini. Ben le... Des cornichons, t'aimes-tu des cornichons? Ouais, j'aime ça. Je vais en prendre un. Avec le croton. On feel funky. OK. Où il y a du ketchup maison. Ah, non!
On vient de se faire servir de la salade de choux pour l'entrée, pour déjeuner. T'en veux? Non. Moi, j'en prends. Tu prends la salade de choux. Pour déjeuner. Il me semble que c'est rien qu'avec une poitrine Saint-Tube. C'est une association que tu veux. Traditionnelle ou crémeuse? Je suis plus crémeuse, mais elle est traditionnelle. Et moi, je mange tout ce qu'on mange. Tu veux somatique? Non. Troisième service. On est rendu au troisième? Ouais. On a un petit soupe au poids. On va goûter à ça. J'espère que c'est pas trop chaud. Qu'est-ce qu'on vient de recevoir? Là, on est au quatrième service. On est saucisse cocktail. Ouais, les bim. Est-ce qu'il faut que je goûte à chaque fois? Ouais, faut que tu goûtes à chaque fois. Okay. Genre, t'as commencé, faut que tu finisses. J'aime pas les bim de base. Mais je pense qu'elles sont bonnes. Avec du jambon. Des patates. Qu'est-ce qu'on a mangé là? C'est correct. Alexis, pour vrai, j'ai vraiment ma nourriture. Des œufs, je recommence à en manger maintenant. Vraiment bon, j'ai rajouté un petit peu de sirop. Les saucisses, première saucisse. C'était vraiment bon, j'ai vraiment beaucoup mangé. Je me sens pleine. Et il y a des desserts qui sont bien. La meilleure que la crème en glace au McDo. Tu parles d'une comparaison. Elle nous a demandé, il y avait comme vraiment plein d'options pour les desserts. Puis là, on a dit, on va prendre un petit peu de tout. Fait qu'on a la tarte au sucre, pudding chômeur, deux types. Est-ce qu'on va tout manger? 110%. Ok, voilà, c'est bon. Non, jusque là. Je suis tellement bourrine. C'est beau, c'est lumineux, là. Est-ce qu'on se lâche? On sait même pas si on est cadré. Non. Partout, tu disais, ça sentait pas. Est-ce qu'on est excité pour la cire d'érable? Pas nécessairement. Oh my god! Mais, au moins, ce qui est cool, c'est qu'on peut la comparer avec celle-là du Vieux-Québec. Ouais, même si je me rappelle pas exactement. Pour ceux qui ont écouté. Cheers. C'est la fiche en main. Cheers. Elle est bonne. Elle est meilleure qu'elle dans le vieux. Ouais. Check nous. J'ai pas été capable de passer au travers la tire. La dernière. Je l'ai gaspillée maintenant, sérieusement. Yo, je suis. J'ai mal au ventre. Non, mais on a exagéré, là. Je suis. Non! Hey, j'ai si mal au ventre pour de vrai. Pis comme, je vais pas pouvoir cibler c'est quoi de ce que j'ai mangé. Les œufs, ça va pas t'aider. Ouais, ça c'est sûr. Le sucre. Le sucre. En vrai, c'est une belle cabane à sucre. Mais c'était cool. Pis dans la petite marche. On va laisser faire la marche. Ça aurait fait du bien, mais je pense à la température. Je pense à la température, c'était pas le petit mal pour aller marcher. On était pas assez habillés. Tu n'es pas assez habillé. Ouais, c'est ça. Ok, bon, on se rejoint. Là-bas. Et je suis vraiment le rocket. Et nous allons peinturer! Je suis vraiment à fou de comment, là. Genre là, je fais tout pour avoir de l'énergie parce que sinon je serais comme. Une bonne scène, tu penses? Ouais! Merci! Ah ouais? Ouais, faut acheter des sons. Je tends le bol, genre 30$ ou je sais pas, là. Je sais pas comment ça marche. Tu veux mettre tes infos sur la carte? Mais c'est parce que le truc, c'est que moi, je suis pas bonne là-dedans, là. Au weight room. Ah oui! Tu me donnerais un bat de baseball live, puis. Alors, on a sélectionné des bols. Louis a eu la majestueuse idée qu'on fasse chacun un bol pour l'autre. Ouais. Mais comme moi, je suis pas très. Moi, je suis super bon. Non, faut que j'arrête de dire que je suis pas bonne. Je suis vraiment bonne. Mais je suis bon en manière. C'est ça. C'est être créatif. De l'art abstrait. Donc là, on a pris des couleurs. Ça, c'est noir, vert et vert pâle. Moi, je vais faire un pour Louis. Je pense que je vais faire thématique plante. J'ai gris, beige pâle puis rose pâle. Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est que j'ai peinturé l'intérieur d'une couleur grise. Super. Ça se passe bien. Ouais. C'est un peu bizarre, mais ça va. Fait qu'on s'attaque à l'extérieur. Ben oui, c'est super détendant comme exercice, comme activité.
ça me détend. Comment ça s'appelle du crackpot café? Céramique café. C'est parce qu'à Québec, ça s'appelle comme ça, c'est pour ça que je dis ça. J'ai fini mes deuxième couches. Pour vrai, deuxième coucher des lettres, là, impossible. Impossible. Quoi? Yo, je suis de même, puis déjà que j'ai réussi à les faire la première fois, tu me demandes de les faire deux fois. Ouais. Moi, ça se passe quand même bien, j'ai les doigts un petit peu sales. Mais là, j'ai juste fait mon extérieur et mon intérieur. Là, je m'en vais sur le design, le petit dessin. C'est bon plan à jamais. Alors, voici mon œuvre d'art. Moi, j'ai écrit Louis avec une feuille, Louis la feuille. Et toi? Quoi? Ben moi, finalement, ce que j'ai ajouté, j'ai mis une petite ligne autour pour que là, on voit bien le logo. Mais là, ça paraît moins, mais elle a dit que quand ça allait cuire, ça allait être plus foncé. Mmh. Fait que là, on va voir le résultat dans deux semaines. Ouais, ça prend 14 jours pour recevoir notre œuvre d'art. Puis là, moi, j'ai racheté des petits picots autour. Très artistique. Puis, est-ce que tu me penses mon M? Yep. Mon chef de crise? Yep. That's my queen. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un Q&A? Ouais. Hey, lui, il a le hockey, ok, mais j'arrive pas à te dire qu'il y a un truc pour avoir le hockey. Non, mais j'ai encore du sirop d'érable de poignée dans la gorge. Oh, hey, ça, c'est acide, là. Amère, surette, je sais pas c'est quoi le mot. Amère. Ah, pas tant la fontaine. Pour y pêcher du poisson, la cigaison. On dirait copyright, tu chantes? Non. Trouver ma voix était trop semblable? Non. C'est quoi qui se passe avec ça, là? Mais j'aimerais ça que tu me le dises. Ah, ok, je pensais que t'allais. Non, je peux. Il te n'en reste plus. Et puis moi, je prends mon prix. Comment? Yo, moi, j'amène mes trucs, ma bouteille d'eau. Je pense pas à toi. Je t'ai acheté une bouteille d'eau pour. Puis tu l'utilises pas. Je pense pas à toi. Non, mais comme. Je pense à mon eau. Écoute, fine. Je vais y aller à pied au gym. T'es pas mon enfant, là. J'ai besoin de te faire des bouteilles d'eau, là. You heard it first. Louis, je t'ai acheté une bouteille d'eau et tu l'utilises pas. Je l'ai juste oublié. Attends, elle est peut-être même dans mon sac. Parce que je t'ai pas amené de l'eau. Mais j'ai une bouteille d'eau qui a littéralement 750 ml dedans. Est-ce que t'as un chargeur au moins? Oui. Okay, ben, au moins. J'ai plus de batterie. Ben écoute, pas de sérieuse de même, pas un chargeur au moins. Nous nous retrouverons au gym dans une mentalité d'esprit. Foncive. Lauriane est en train de faire ses pauses parce que c'est la collection Ebro qui dropait aujourd'hui. Fait que push day pour les deux. Moi je commence avec du Barbell Smith Incline. Lauriane est sur une machine de chest press. Comment que ça se passe le workout? Hein? Comment que ça se passe le workout? À date, c'est parce que je suis occupée parce que c'est la launch Ebro puis il fallait que je pose le story puis j'ai pas eu le temps. Fait que là. Ils savent, je sais exactement ça mot pour mot. Sure. Mais oui! Bon, mais là, je faisais du chest press machine. Puis après, là, on va faire du shoulder press. Bon, là, ce qui se passe, c'est que ça va vraiment pas le workout. J'ai littéralement aucune énergie parce que je peux pas en manger vraiment beaucoup de gras et vraiment beaucoup de sucre dans le gym. Donc, c'est pas l'idéal, mais on va quand même push through. Donc, là, on avait un workout planifié, ça fait partie de notre horaire. Donc, là, on fait du shoulder press sur la machine. Voici Louis. Qui force beaucoup. Je ne recommande pas une cabane à sucre avant de faire un workout. J'ai du sirop d'érable, c'est jogging, là. Bon. La situation de mon auto, c'est pas l'idéal. Il n'y a pas de bon vlog sans l'épicerie. Épicerie vlog! Non, non, non. Là, ce qu'il nous faut, c'est. Tu m'as dit non, non. Non, non, non. Non, 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 là, c'est assez, là. Ok. On va au IGA parce que d'habitude on va toujours au métro. J'ai dit à Louis, on fait tout différent? On va au IGA? Ben oui. Let's go. T'as juste. Ok. C'est déjà. J'ai froid, j'aurais dû mettre mon manteau. Là vous allez me dire, ok, t'es donc con d'avoir des flip-flops, mais c'est parce que j'ai une blessure en arrière du pied puis je peux pas mettre de souliers qui frottent. Alors nous sommes dans la section bio, un peu. Ben tu sais, la section produits biologiques du IGA. Alors. Oh! On va remettre le hoodie! Ah, c'est pour ça! La section Rachel Berry! Exact! Tu... Ok, mais j'ai essayé ce lait de coco là un peu, puis je l'ai bien aimé. Ah oui? Oui, puis il est en rabais en plus. Bon, ben on va en acheter plein. On va te congeler ça, garder ça pendant des années. Ben écoute, je pense que je vais en prendre deux. Tu
T'es la seule personne que je connais qui se promène avec son sac, qui le remplit dans la caisse. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment spécial. Au lieu de prendre un panier. Ben, tu sais. C'est vrai que personne fait ça. Ben hein? Non. Fait que ouais. Le check, c'est un oui ou un non? Non, selon moi. Oui, selon moi. Exact. On n'a pas les mêmes idéologies face à la nourriture. Tu veux pas tirer? Je peux plus, là. Parlez-moi plus tirer des rames. Allez, on va chercher du maïs. Ah, Chick, c'est ton repas préféré. Quoi? Mais j'ai pas envie que tu m'en lances plein dessus. Non? Non. Montre-le. Ricardo. Si Ricardo le dit, ben Louis, il fait. Ah, mais il faut du lait. Oui, je t'avais parlé. Faut acheter du lait. Maïs en crème. Pourquoi tu prends pas lui qui est en rabais? Hein? Hein? Le compliment, il est en rabais. OK. Où on prend lui? Quel tu penses qui est meilleur? C'est cool? Oui. Nice. Mets-le dans le sac. Non, je vais pas tirer ça. Non. OK, mais non, mais j'arrête pas de voir tout le monde parler de ça. À la noix de coco, faut l'essayer, je pense. Tu penses? Ouais. Whipped cream à la noix de coco. Mais donc, sur quoi tu mettrais ça? Tes œufs le matin? Sur ton smoothie le matin? Tu l'as mis sur le café glacé. Sur tes galettes de riz. Oh! Sur le café glacé Shop Santé. Le cappuccino glacé. Et oui, utilisez le code ArianeD ou le code FITLOU pour sauver 10% sur tous vos cafés glacés. Oui, vos commandes en ligne Shop Santé. OK, attends, wait. Est-ce que vous achetez des tubes à la barre à papa? Moi, je veux manger un tube à la barre à papa. Non, c'est sûr, c'est pas bon. Hein? Non, c'est sûr, c'est pas bon. On va prendre du lactose en lait. S'il y en a qui ont goûté à ça, dis-moi si c'est bon. Lactose en lait. Est-ce que c'est du la réjouissance, c'est sûr, c'est bon? Non, moi je pense que c'est juste parce que ça fait. C'est du lait sans lactose, pas du lactose sans lait. Des Pillsbury. Moi je veux savoir ketchup. Moi je veux savoir ketchup. Ah non, sinon lime. Lime ou ketchup? Ça là. Je sais pas si je veux lire mon ketchup. Je pense que je veux lire. Pas encore une chance, c'est sûr. Yep. Ça, c'est un bon cheat. Mais c'est pas un cheat, en fait. C'est un bon c'est snack. Super, j'adore. J'ai les amandes dans le chocolat. Yo. C'est tellement bon. Pour vrai, là. C'est dangereux. À chaque fête, mon ami m'a acheté comme 4 kilos. Je l'ai mangé pendant un mois de temps. Là. Chaque soir, j'en mangeais. Puis c'était au chocolat noir. C'est ça qui m'a fait aimer le chocolat noir. C'est des amandes trempées dans le chocolat noir. Moi, c'était le gros paquet Costco du chocolat au lait. Non, je le dévalisais. C'était vraiment bon. Oui, Louis, on n'arrête pas de se faire des scénarios. Imagine si je me mettais à courir live puis je glissais sur le ventre. Tu glisserais pas? Non? Tu serais vraiment mal. Mon Vicely est très glissant. On prend-tu de la crème glacée? Pourquoi t'as des fakes? Bon, guys, on s'en va se coucher, mais j'espère que vous avez aimé notre vlog. Puis, oh my god, pour vrai, je suis tellement mal au ventre. La à cause de la bouffe, c'est débile. Je me sens dégueulasse. Ça va être un tough night pour elle. Demain, back sur la bonne alimentation et le gym. Mais, donc, on va se revoir au prochain vlog. On fait quoi au prochain vlog? On va en Philadelphie?